Hello, bonsoir les leaders, bonsoir chers amoureux de la crypto-monnaie, salut à toute ma communauté, salut à toute notre communauté sur le web et nous voici encore dans un nouvel rendez-vous de donner et de recevoir l'univers cryptographique. Les crypto-monnaies ne vont jamais cesser de nous surprendre. Les crypto-monnaies ne vont jamais cesser de nous surprendre. Et dans cette vidéo, nous allons faire une petite analyse sur le marché, le comportement du marché des crypto-monnaies depuis hier, depuis avant-hier, disons depuis le samedi 16 jusqu'à ce jour, lundi 18 septembre 2023. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Partagez, likez et abonnez-vous massivement. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, plusieurs surprises, de nombreuses surprises, de l'information de qualité nous attend. Vous attend, m'attend et attend tout le monde, attend tout un chacun. Alors, sans plus tarder, regardez aujourd'hui jusqu'au samedi 16 septembre 2023, le marché des crypto-monnaies, le marché de la crypto-monnaie était encore fortement baissier. Le marché était encore fortement baissier jusqu'au point où le Bitcoin, la toute première monnaie, tout premier jeton électronique qui a été créé par l'expérimenté, par le créatif, par le visionnaire Nakamoto Satoshi, ou encore Satoshi Nakamoto, était encore dans l'ordre de 25 000 dollars. Était encore à 25 000 dollars quand nous prenons le prix. Je ramène ça sur 4 heures. Je ramène ça sur 4 heures. Quand on prend jusque-là. Vous voyez, jusque-là, le marché était encore baissier. C'était encore baissier et le prix, c'est dingue. Le prix était encore à 25 000. Regardez, voyez vous-même, 25 000. Vous voyez, nous sommes au, là, ce sont les données du 11. Venons jusque-là, 14, je viens là. Nous sommes au 16, voilà. 16, bon, 16 déjà, le marché a repris. Le 15, on en est là. Nous sommes encore à 26 000. Disons, nous allons analyser jusqu'au 24, jusqu'au 14, du 14 au 18. Donc, exactement 4 jours. 14 au 18. Donc, disons 14, 15, 16, 17, 18. Donc, 5 jours. 5 jours exactement. Et depuis un bon moment, on entend partout bull run, de gauche à droite, bull run. Et ça chante partout, ça crie partout pour parler de la reprise des marchés cryptographiques. La reprise, c'est-à-dire la reprise du mouvement haussier des marchés. Mais la plus grande question, ou bien la question que chaque investisseur crypto-monnaie devrait se poser est de savoir, est-ce que le bull run qu'on chante, qu'on crie, qu'on attend si tant, est-ce que cela arrivera? Mieux, est-ce que le bull run n'est pas déjà passé? Parce que la meilleure manière d'en profiter, c'est de faire le trading des crypto-monnaies tranquillement. Vous faites le trading des crypto-monnaies, vous n'avez pas besoin d'être un excellent trader pour vous faire de l'argent avec le trading des crypto-monnaies. Le trading, c'est quoi? C'est un vocabulaire qui signifie, c'est un vocabulaire anglais qui signifie commerce. C'est le commerce. Et le commerce, c'est quoi? C'est l'achat et la vente d'un produit. L'achat et la vente d'un actif.
j'achète un produit ou bien une monnaie électronique, un jeton électronique. Je prends par exemple le corps de Satoshi, le deuxième projet que Satoshi Nakamoto a lancé l'année dernière. J'achète à une valeur de 0,40 dollars par exemple, et je suis là. Le prix monte, ça vient à 0,45 dollars. 0,45 dollars. Je peux vendre. Je vends et puis j'attends que ça rabaisse ou bien que ça baisse encore et puis je vais racheter. Ainsi de suite, je me fais de l'argent. Ainsi de suite, je me fais de l'argent. Au lieu de mettre l'argent là seulement, acheter la monnaie seulement et stocker, attendre le bull run, que un grand mouvement haussier vienne, il faut plutôt profiter des petits mouvements haussiers pour se faire de l'argent et soit faire déjà son bull run avant le grand mouvement haussier que tout le monde, que les amateurs, que les nouveaux, les novices sur le marché attendent si tant. Les grands investisseurs, ou bien les vrais investisseurs, n'attendent pas ce mouvement-là. Chacun est en train de prendre sa part du gâteau. Regardez le Bitcoin. Si, bon, vous allez me dire que vous êtes nouveau, que le Bitcoin c'est trop cher, c'est ci, c'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons laisser le Bitcoin. Mais quand même, vous voyez, le prix du Bitcoin, il y a de cela 5 jours, c'était encore à 25 000 dollars. 25 000, imaginons quelqu'un qui a eu à acheter le Bitcoin lorsque c'était encore à 25 000 dollars. Il achète en l'espace de 5 jours, il va se faire déjà 2 000 dollars, comme 2 000 dollars de bénéfices. Ce n'est pas de l'amusement. 2 000 dollars, ce n'est pas petit. C'est pas petit. C'est plutôt mieux que de garder ça là et attendre que ça devienne beaucoup. Il coupe, il va racheter. Le Bitcoin va encore chuter. Il n'y a rien à faire. Ça va encore chuter et corriger. Chuter et ça va corriger. Chuter parce que la chute n'est pas encore terminée. La baisse n'est pas encore terminée. Vous voyez? Donc, on en profite. Ainsi de suite. Vous profitez d'un petit mouvement haussier et vous faites de l'argent. C'est vrai, quand on laisse le Bitcoin, on va sur ETH, Ethereum. Vous voyez, l'Ethereum également. Non, c'est du lourd, c'est du vrai, mes amis. C'est du vrai, c'est du vrai. Il faut se faire de l'argent. Regardez, le mouvement actuel est favorable à toutes les monnaies. Voyez-vous-même. Vous voyez. Tout est vert. Je suis sur l'application Satoshi là. Et tout est vert. Tout est vert. Tout est vert. Quand je vais sur Core, voilà. 11%. 11%. Plus 11% de bénéfices. Donc, imaginons quelqu'un qui a mis 100 dollars. Parce que le Core, jusqu'avant-hier, jusqu'hier et hier nuit, était encore à la valeur de 0,36 dollars. 0,36 dollars. Donc imaginons que quelqu'un ait mis 1 000 dollars par exemple sur quoi avant-hier 0,36, il a acheté à 0,36, 0,37 ou bien 0,35 encore même. Il en achète à ce prix-là. Regardez le prix aujourd'hui, plus 11%. C'est largement suffisant comme intérêt qui peut déjà sortir du marché et attendre que ça baisse encore et en racheter. Vous voyez? Regardez, une correction. Et ce n'est pas encore fini. Si on trace une courbe et qu'on voit, il y a un support qui est là. Le support peut empêcher le prix de monter. Le support qu'on voit ici, là, 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 que j'encercle là, ça peut empêcher le prix de monter. Donc du coup, on peut encore placer une offre d'achat à ce niveau. On attend que ça descende, ou plutôt une offre de vente. Genre, on place le TP, c'est-à-dire son take profit. On peut passer le TP là, mais ce serait trop vouloir. Donc, pour des mesures de sécurité, vous pouvez déjà couper position à ce niveau, puisque vous allez voir que les bougies qui suivent sont très petites et ce sont des bougies qui ne donnent pas de bonnes informations. Donc, du coup, on peut couper position. Ça explique ou bien ça montre la fin du mouvement haussier. Donc, après ce mouvement haussier, c'est le mouvement baissier qui va suivre. Donc, du coup, coupez là et on continue.
Ainsi de suite, vous attendez que ça chute et puis vous rachetez, vous analysez, vous achetez. C'est ainsi sur toutes les plateformes. Je viens là, je quitte par exemple Satoshi et puis nous allons dans la plateforme Lbank. Nous allons sur Lbank. Nous aurons la même chose. Nous allons sur Binance. Nous aurons la même chose. Sur Binance, nous aurons la même chose. Tous les prix sont en mouvement haussier. Sont tous à la hausse. Toutes les monnaies sont à la hausse. Donc, très favorable pour tout homme, pour tout investisseur. Regardez le Bitcoin. Ici également, plus 2%, plus 1%. Quand on vient là, on vient chercher. On voit les contrats à court terme, etc. Venons au niveau des transactions. Allons chercher le prix du corps. Allons chercher corps. Regardez par exemple Shiba Inu. Je viens là. Oui. Voilà. Nous allons chercher corps. C'est ma monnaie préférée. Ça, je vous le dis. C'est ma monnaie préférée. C'est la monnaie sur laquelle je mise le plus. Voilà. C'est celui-là. On a son prix. C'est à la valeur de 0,42 $ également. Regardez. Regardez. Mes chers amis, des opportunités en or à ne pas manquer, à ne pas rater. Ne restez pas là seulement à attendre le grand mouvement. Peut-être que le bull run est déjà terminé. Qui sait? Le bull run, il y a un leader ou bien un formateur qui dit toujours que c'est chacun qui fait son bull run. C'est chacun qui fait son bull run. N'attendons pas le grand mouvement haussier qu'on attend. Qu'on attendrait. En 2024 pour se faire de l'argent, mais bien avant 2024, vous devrez vivre, vous devrez manger, vous devrez nourrir des personnes, vous aurez besoin d'argent. Donc du coup, ne pas attendre 2024 avant de faire de l'argent sur le marché serait que vous êtes un excellent. Les gens vont vous trouver champion, les gens vont vous trouver comment dire, quel thème, ils vont voir que vous êtes un sorcier alors que ça n'a rien de sorcier. Ça n'a rien de sorcier. Regardez vous-même. Vous voyez? Juste observer. Suivre et couper. Suivre et analyser. Suivre et analyser. Ce sont des probabilités. Donc, vous mettez en application vos notions de mathématiques, de probabilités que vous avez acquis, plutôt pendant votre temps d'apprentissage sur les bancs. Vous voyez? Donc, c'est important. Ne attendez pas forcément le mouvement aussi de 2024, ce qui pourrait ne pas arriver, puisque ce sont des probabilités, ce sont des analyses, et on a prévu, les gens ont prévu, ils ont prédit plutôt, c'est de la prédiction, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Alors, il est important et opportun que chacun fasse son bull run avant la surprise générale. Avant que ça ne vienne aux yeux de tout le monde. Eh bien, c'est ce que je voulais dire avec vous. N'attendez pas. Trouvez un capital. Même avec un capital de $500, vous pouvez déjà commencer. $500. Nous sommes en Afrique et je comprends que le coût de vie est difficile. Est bas. Mais ce n'est pas une raison. Si, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour l'atteindre. Donc du coup, si vous voulez atteindre la liberté financière, vous voulez vous faire de l'argent grâce à la crypto-monnaie, il est indispensable que vous vous sacrifiez, que vous fermez certains trous, et l'argent qui va dans ces trous-là, mais l'argent qui va dans ces trous-là, vous puissiez les utiliser maintenant pour que ça vous génère de l'argent. L'autre chose que beaucoup de personnes, que plusieurs personnes ignorent en Afrique, c'est les constructions. Construire sa propre maison, c'est être pauvre, c'est s'appauvrir. Construire sa propre maison, c'est s'appauvrir. Gardez cela. Robert Kiyosaki a considéré, ou bien considère ça comme un passif, un actif selon le best-seller Robert Kiyosaki dans son livre intitulé Père riche, père pauvre. Il dit, un actif, c'est tout ce qui me permet de faire entrer de l'argent. Tout ce qui me permet de faire entrer de l'argent. Donc, si vous avez votre téléphone et que ce n'est pas un actif pour vous, vous avez perdu.
Ça vous fait perdre de l'argent. Vous achetez de la connexion, vous achetez de forfaits chaque jour. Ça vous fait dépenser. Alors qu'un téléphone aujourd'hui doit être un actif. Donc ça doit vous permettre de gagner de l'argent, de faire entrer de l'argent dans votre poche. Donc il est important que chaque jour, chaque heure, si possible, ou bien même chaque semaine, que vous fassiez de l'argent pour davantage prendre soin des personnes que vous aimez. Pour prendre soin des personnes que vous aimez. Eh bien, c'était ça. Encore à plus 8%. À plus 8%. Soyez en train de guetter cela. Soyez en train de le guetter. Quand ça va chuter, rachetez. Rachetez, rachetez, rachetez. Ça va encore corriger. Ça finit la correction. Vous coupez. Ainsi de suite. Si vous avez besoin d'une formation, je suis disponible. Je suis disponible. Je vais laisser mon numéro WhatsApp, mon email et toutes mes adresses dans la description. Et vous pouvez me contacter à tout moment. Ne vous en faites pas. La première des choses à laquelle il faut penser, si vous n'avez pas une connaissance avérée ou bien si vous n'avez pas les béaba de la crypto-monnaie et vous désirez de vous lancer, il faut d'abord vous faire former. C'est le meilleur investissement. Quand vous vous faites former, vous êtes libre, vous êtes autonome et puis vous pouvez faire les choses de vous-même. Mais quand vous suivez une personne, quand la personne ne sera pas là, cela veut dire que vous n'êtes pas là, vous n'allez pas exister. Si la personne est occupée, cela veut dire que vous ne pouvez pas travailler. Donc, pensez à être autonome, pensez à être indépendant et souscrivez, participez à des formations, etc., etc., à des conférences et tout cela vous permettra d'être autonome, d'être indépendant. C'était le leader Arsène. Ciao, ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo.